Hey, salut à tous, et aujourd'hui, suite de ton Raider 2, on discute pareil et on commence dans cette bonne ambiance. Ouais, donc on avait récupéré le deuxième secret dans la dernière vidéo, donc on était allé dans la zone à gauche là, avec des poissons. Donc on oublie tout ça. Ici, on a du feu, on va devoir passer. C'est vraiment dangereux avec l'ancien feu là où. Vous voyez que le feu, va jusqu'en haut, finalement. Donc, alors, si je ne dis pas de bêtises, ici, il y a. Voilà, ça, c'est la porte à ouvrir. Alors, je crois qu'il faut commencer par là, hein, malgré tout. Parce qu'en fait, on va ouvrir la porte, mais on va surtout couper le feu. Ah non, 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 faut commencer par là. Oui, c'est ça qui coupe le feu. Ça, c'est juste une porte. Une porte, quoi. Tout simplement. Ouais, je me souviens plus. Je crois que ça doit être là, non? Je sais plus où c'est. Mince. Je ne sais plus où c'est. C'est là, ici. C'est la deuxième porte. Alors, ce qui est chiant, c'est que des fois, on essaie de trouver des petites solutions pour couper les animations qui servent un peu à rien, là. Pour gagner du temps, mais. Ça marche pas tout le temps. Donc là, il faut certainement repartir en courant, couper ce feu-ci. C'est du timing, c'est une petite ligne. C'est sympa cette zone. Moi je l'aime bien, moi, cette zone-là. Voilà, parfait. Eh ben, ça s'est plutôt bien passé finalement. Hein? Voilà. Ça s'est bien passé ici. Alors, j'aurais pas dû sauvegarder là. Je suis condamné à. Je suis condamné à réussir cette zone maintenant, parce que j'ai sauvegardé là où la vidéo commence. Pas terrible. Enfin, bon, c'est pas grave. Alors, je reprends l'oxygène. Ici. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a un secret à récupérer. Ils sont pas durs, hein, à récupérer les secrets dans ce chapitre. La porte s'est refermée en bas. Donc, en fait, ça c'est la porte du secret. Oui, c'est la porte du secret de toute façon. Parce que le secret il est ici. Le secret il est dans la zone obligatoire. Ah, deux grandes trousses et une petite trousse. Vous vous rendez compte, j'avais oublié j'avais oublié qu'on récupère des trucs. Ça va être léger, non? Quand même. Il y a encore deux saloperies de poissons. Non, c'est bon. Ok, alors un comme il y a dans cette petite trousse et 16 grandes trousses. Bon, ça va finalement. Ça se passe bien. Je sais plus à quoi ressemble la fin du niveau, par contre. Je crois que c'est un gunfight, hein. Ah, si je dis pas de bêtises. Alors. Ouais, cette salle, c'est un peu. Ouais, c'est un peu la salle de l'enfer ici aussi. Il faut aller ici. En fait, on a une salle l'une sur l'autre et il faut faire tomber les espèces de je ne sais quoi. Je sais quoi, des détritus, des. Je sais pas, de la caillasse. Enfin bref, on comprend rien. C'est pas clair. C'est vraiment pas clair du tout. Mais en tout cas, on va faire tomber tout ça. Bon. Comme je l'ai dit, c'est pas le chapitre qui me fait le plus peur, ce chapitre-ci. Enfin, pour ce niveau en tout cas, après on va. Voilà, après
On verra bien comment ça se passe, mais c'est pas ça, c'est pas ce niveau qui m'inquiète le plus. Alors normalement on est venu du côté droite, parce qu'en fait là il y a deux ouvertures, c'est pas du tout les mêmes. Il faut pas se faire piéger en fait. Oui voilà, on revient pas d'ici. Parce qu'en fait on a deux ouvertures et on peut croire que l'on revient sur nos pas, mais ce qui n'est pas le cas du tout. Puisque si je vais ici, j'ai une salle avec un levier normalement. Voilà, j'ai une salle avec un levier. Et on inonde une autre salle, pour l'instant je n'ai pas visité. Voilà. Là je fais tout ça de tête, hein. Bon attention, j'ai fait le jeu il y a... Oh, il y a comme quelques mois maintenant, même pas. On est quoi? Oh. Je vous dirai pas quel mois nous sommes. Et en tout cas, je l'ai fait il y a je l'ai fait il y a au moins 3 mois le jeu. Et ouais, bon, ça va, j'ai encore des souvenirs. Je vous parle de soins, mais je pense que je vais devoir me soigner. Voilà, ici il n'y avait pas d'eau en fait. Alors attendez, on va faire venir machin là. Ah non mais non, ça sert à rien parce que il est derrière. Donc en fait on s'en fiche, il est derrière la porte, il y a un levier je crois. Ça s'ouvre pas tout seul cette porte, non? Attendez, c'est quoi cette connerie là? J'ai oublié un machin? J'ai oublié qu'on ouvre. Non, mais normalement, cette porte-là, il faut l'ouvrir. Non, c'est pas le levier aquatique. Parce qu'il y a les speedruns où on peut aller ici. Donc, non, j'ai oublié. J'ai oublié un truc. C'est pas si facile que ça. Qu'est-ce que j'ai oublié là? Alors on n'y retourne pas, non, ici quand même. On n'y retourne pas, non, bon, on peut pas y retourner. J'ai oublié d'actionner un truc. Il n'y a pas d'autre levier ici. De toute façon, ça sert à rien de. Ça sert à rien de faire ça. Attendez. Vous vous rendez compte, j'ai un trou de mémoire dans ce niveau. Mais comme quoi, voilà, j'aurais dû fermer bien notre gueule. Parce que j'ai oublié ce qu'il fallait. Non, il y a un levier actionné. Il est où ce con de levier? C'est bizarre ça. Alors, il est peut-être là-haut, peut-être que maintenant on peut y accéder. J'ai un gros trou de mémoire là. Ah si, si, peut-être. Je suis pas allé là. Ah, j'ai pas actionné celui-là, c'est vrai. C'est vrai, ça. En fait, ils se ressemblent. Voilà. Ils se ressemblent tous, elles se ressemblent toutes les salles. Donc, effectivement, j'étais pas allé ici. Ok, bon, bah ça va alors. Je savais qu'il y avait un levier, mais enfin, ça m'aurait vachement étonné qu'il soit un levier actionné comme ça, hein. Là dans le creux d'une texture, donc non, c'est vraiment. C'était juste là. Je sais, là, apparemment, vous stresse, mais de toute façon, je pense que je vais me soigner. Parce que si je dis pas de conneries, il y a des mecs armés encore. Alors, je vais tenter. Lui, je vais me le faire comme ça. Hein. Parce que même si je fuis. Voilà, c'est bon. Même s'il fuit, il va me suivre. Ça va être n'importe quoi. Et voilà, je préfère avancer. Je préfère avancer tranquillement voilà, dans cette zone. Là, c'est la fin de niveau normalement.
Pardon. Ah, j'ai le hockey. C'est pas un rototo, c'est le hockey. Et les travers. Waouh. Eh ben, ça va être sympa de. Je sais pas comment me barrer d'ici. En plus, je me suis pris une cartouche de. Super. Comment je fais? Pour réussir à pas me prendre un coup. C'est impossible. Attendez, on va faire plusieurs tentatives. En fait, il faut que je monte directement, mais sans qu'il puisse me toucher, parce que ça serait n'importe quoi. On va tenter de lance-grenade, hein. Sûr, je me soigne. Hein. Voilà. Oui, mais c'est impossible en fait. Avec une petite trousse, ça devrait le faire, je pense. Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Une grande trousse. Ah, mais ils sont deux en plus, un peu super. Oh là là, ça va être chiant ça. Qu'est-ce que c'est que ce genre de merde? Mais c'est quoi ce délire? Attendez, mais comment on fait ici? On est obligé de prendre, on est obligé de perdre de la vie ici. C'est obligé. C'est infini en plus. Putain, mais sors ton arme. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable ce passé aussi. J'ai jamais vu ça. Super, des oui, bah, j'en avais besoin, quoi. Génial. Ouais, bah écoutez, bah ça c'est une grosse carotte ça, que je viens de me prendre. Parce que franchement, c'est n'importe quoi. Tiens, pour une fois, j'ai récupéré tous les objets d'ailleurs. Bon, bah je vous l'avais dit, ce niveau il est court. Je vous l'avais dit. Mais bon, comme je suis pas très content là. Oh là 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 là, ça recommence les. Oh là 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 là, les hommes poissons. Bon, ça, là, il n'y en a qu'un. Oh, la caméra de l'enfer. Mais tire dessus, mais c'est pas possible. Pourquoi elle monte d'ailleurs, cet abruti là? Voilà. En fait, moi, je veux monter, mais sans que la caméra monte forcément. Ah, ça va être chaud. Eh ben écoutez, c'est la bonne ambiance au 3 2. Alors ça c'est un peu con. Franchement ce genre d'énigme. Pas ce genre d'énigme, ce genre de séquence plutôt, c'est pas une énigme. Ah, je vomis littéralement ce genre de truc. Hein. Franchement, je ne supporte pas. Et là je suis obligé de perdre la vie ici. Donc là, j'ai utilisé finalement tous les soins que le niveau m'offrait. Mais c'est super. Alors attendez, là, il faudrait que je trouve une solution pour ne pas perdre de la vie. Voilà, comme ça. Allez, du niveau quand même. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Putain, mais il y a un mec armé là-bas, mais c'est. J'en ai ras le cul. Mais c'est incroyable, il y avait un mec armé ici. Non,
Attendez, attendez, on va charger parce que sinon ça va être n'importe quoi. Je ne vais pas commencer à perdre de la vie. Oh bah. Alors là, je. Voilà, super, génial. Je l'ai fait une fois, ça n'a pas marché, vous allez voir. Voilà. Ça a marché qu'une fois, évidemment. Putain, elle s'est raccrochée, mais en fait, elle a fait demi-tour, elle s'est raccrochée comme si elle pouvait se raccrocher sur la plateforme qui n'existait plus. Donc, vous savez quoi, je vais me sauvegarder ici, je m'en fous, en fait. On va tenter. Ok. Alors, attendez, c'est là, voilà. Là, il faut que je trouve une stratégie. La stratégie, c'est pas compliqué. C'est le M16. Donc il faudrait. Bah, il y a un script en plus, évidemment. Alors, ils prennent leurs dégâts, hein, si jamais on saute. Ils prennent les coups. Donc ça va. Alors attendez, là on est à combien là? Déjà récupéré des munitions, et bon, ça va. C'est plutôt convenable en termes de points de vie. Ah mais quand même, ça va être. Ça va être quelque chose. Cette espèce de New Game Plus, waouh. Finalement, je pensais que ça allait le faire. Donc là on va récupérer le premier secret. Pareil, là il y a les mecs armés ici. Donc oh là là, il avait un fusil. Non mais ils font tellement mal, mais ils font tellement mal. Ah, attendez, il faudrait que j'essaie de l'attirer en fait. Faut que je le contourne, hein, tout simplement. Le problème, c'est qu'ils sont deux, je crois. Il y en a qui arrivent de l'autre côté. Voilà. Il y en a qui arrivent le fusil de l'autre côté. Vous vous rendez compte qu'il y a le niveau de. Oh non, ne me bloque pas. C'est bon. Ah, c'est pas gentil, hein, tout ça. Hein. Les premiers secrets, oh, c'était pas très joli. À l'époque, c'était quand même bien. C'était quand même bien pixelisé. Là, on est encore capable de bien quand même. Non, normalement, non. Il n'y a pas de gars ici, mais bon. Je préfère tester. On a combien de torches là? On a 22 torches. J'ai quand même l'impression que le jeu nous refourgue moins de torches. Par contre. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai quand même l'impression que le jeu est beaucoup moins sombre que l'était la version de base. Les patchs ont fait beaucoup de bien au jeu parce que c'était injouable. C'était vraiment injouable. Donc c'est voilà. C'est bien qu'ils aient fait quelque chose. Alors attendez, du coup. Là, il n'y avait rien ici, on est d'accord. Hein. Là, il n'y a rien là. Là, il n'y a rien. Alors, si je dis pas de conneries, normalement, le but du bordel, c'est juste d'amener tous les blocs là-bas. Écoutez, on va commencer par celui-là, et après je ferai le deuxième. Alors, pour ceux qui auraient peut-être séché tous les displays de Tomb Raider 2 depuis
une vingtaine d'années sur YouTube, ou des speedruns, des longues plays ou je ne sais quoi. Il faut récupérer trois fusibles, si je dis pas de bêtises, et ensuite aller dans une autre salle qui sont derrière. Et voilà, c'est les mines d'Onatla et sans les mines. En gros. Donc là, on va virer les blocs. Et on va peut-être commencer par. Je ne sais pas par quoi on va commencer. C'est très long, il me semble, cette zone. Hein. On récupère trois fusibles, mais la zone est longue. Suis un peu moins fan de ce niveau. Pas très fan d'ailleurs des niveaux. Au niveau du bateau, c'est pas mon délire. Alors là, attendez, il y a cette zone ici. C'est plutôt joli. C'était pas moche dans le premier Tomb Raider. Vous avez vu, en fait, tout est sans dessus dessous dans le bateau. Tout est à l'envers. Là, il nous faut une clé. J'ai pas la clé, évidemment. Et est-ce qu'il y avait. Alors, en fait, le but, on va passer derrière tout à l'heure. Là, il y a une clé ici à récupérer. Là, il y a une trappe que l'on va ouvrir tout à l'heure aussi. On va beaucoup revenir ici. Pour l'instant, je crois qu'il faut laisser tomber cette zone pour l'instant. Il faut vraiment aller là. Et là, il y a du beau monde là. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Putain, il y a du monde qui arrive. Oh là 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 là. Attendez. Incroyable. Oh, c'est incroyable. Alors. Mais. Putain, mais reste bloqué, mais c'est pas possible. Ah, ça y est. Sentez la tension qui commence à monter là. Mais putain, il y a des pieds plus, j'ai oublié, mais c'est terrible. Voilà, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. On va adopter une stratégie intelligente. C'est pour mourir lui hein. Pourquoi il n'est pas venu l'autre? Peut-être qu'il peut pas monter. C'est vrai ça, pourquoi il n'est pas venu? Il peut pas monter? Il peut pas monter, ça m'arrange. Hein. Faut pas qu'il me. Oula, c'est moi qui tirais là. Il peut pas monter. Ah, il peut pas monter. C'est marrant ça, tiens. C'est marrant. Trois d'un coup là, c'est quand même pas cool hein. D'autant que normalement il y a encore des mecs en haut. Il sert tellement rien en ce grenade, c'est incroyable. Un de moins. Est-ce qu'il n'y a pas notre gars ici? C'est joli ici. Ouais. C'est pas mal. En fait, ils ont vraiment baissé la. Les espèces de lumière qui n'ont aucune raison d'être là. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc. Là, je crois qu'il y a une clé à récupérer. On va essayer de passer par là.
Ah, attendez, est-ce que... Ouais, non, mais là, en fait, c'est trop, il y a trop de choses à ce niveau. C'est enfin, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Ouais, évidemment, bien sûr qu'elle va faire ça. Voilà, parfait. Ça fait très zone secrète, hein, mais c'est juste une. C'est une clé. Alors, c'est la clé de quoi, ça? Clé de la salle de repos. Problème, c'est que les clés, ça veut tout rien dire dans le jeu, on sait pas où les mettre. Donc, ça peut être une des sœurs qu'on a vues tout à l'heure. Il y a encore même pas, je crois que c'est la clé des toilettes. Je crois que ça s'appelle comme ça. Là, on peut monter par ici. J'ai quand même l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'objets sur le sol. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a moins. Est-ce que c'est l'effet du gameplay ou c'est juste moi, mais non, je. J'ai l'impression qu'on en récupère moins. Là, cette porte, pour l'instant, on laisse tomber. En fait, on revient d'ici, me semble. Donc, on s'en fout. Ça, c'est quoi ça? Les magnums, enfin, les doubles pistolets automatiques. Ben, c'est les magnums, hein, ça s'appelle comme ça dans Terra. Ce sont les magnums. Oh, t'es qu'on récupère un autre truc. Ah oui, on récupère. Ah, ici, oui, on récupère le plus fusible. Bon, écoutez, c'est déjà ça. Est-ce que c'est la meilleure que les fusils? Non, c'est pas les mêmes figues dentaires. Bon, pour l'instant, je crois qu'on peut partir d'ici. Et peut-être mettre la clé. C'était peut-être la clé qui va mettre ici, hein, finalement. Ça me parle pas, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, c'est celle-là. Bon, c'est une autre clé, alors. Hein, je... Pas celle de repos, mais... Bon, ça m'a rien, celle de repos. Hein. Parfait, parfait, parfait. Donc là, on va repartir sur nos pas. On a ouvert cette porte. En fait, cette double porte qui se trouve derrière, elle, on va la refermer. Est-ce qu'il ne faut pas la refermer maintenant? Je sais plus. Attendez, est-ce qu'il y a un bouton? Parce qu'en fait, on va devoir passer derrière à un moment donné. Bon, ça me semblerait vraiment improbable qu'il faille la refermer maintenant. Donc je vais pas le faire. Ce serait vraiment inconcevable. Donc non, je pense que c'est. Je pense que pour l'instant, on a la bonne strat. Bon, on a déjà récupéré le premier fusible qui n'était pas le plus compliqué. Et maintenant, il faut récupérer les autres. Alors j'espère que je vais réussir à finir ce niveau dans cette vidéo. Histoire que voilà, qu'on fasse un peu des choses. Et dans la prochaine, on essaiera de faire un niveau et commencer au niveau du pont. L'enfer nous attend après. Hein. L'enfer sur Terre, c'est pas maintenant. C'est après. Alors là, il y a une serrure. Là, on a une porte ici. Alors, on a une autre porte aussi au fond à droite. Pas de vie ici. Ils attaquent en traître, non? Y a rien là? C'est bizarre ça. Pourquoi on va ici? Mais la porte sert à quelque chose, hein. C'est sûr, mais. Y a pas un objet, non? Je sais plus à quoi ça sert. Peut-être qu'il y a une. Putain, ça me perturbe.
J'ai pas une grande mémoire sur ce jeu, c'est fou, hein. Moi, je m'attendais vraiment à être un peu meilleur, mais j'ai pas une bonne mémoire sur Tomb Raider 2, c'est incroyable. Pourtant, c'est un jeu que je fais. Alors, ça reste un jeu que j'ai beaucoup moins fait dans mon enfance. Parce que moi, j'ai beaucoup fait Tomb Raider 1, beaucoup fait Tomb Raider 3 et Tomb Raider 4. Et Tomb Raider 2, c'est un jeu que j'ai redécouvert quand j'avais. Attention, j'ai redécouvert quand j'avais. Quand j'avais. Quoi? 12 ans, 12. 12 ans, ça fait 17 ans, 18 ans que j'ai repris ce jeu en vrai, donc je sais pas, j'arrive pas à imprimer le jeu. Fait, TR2, c'est l'un des rares Tomb Raider que j'ai pas eu avec Tomb Raider 5. Du coup, Tomb Raider 5, je l'ai découvert qu'avec l'émulateur. Donc j'ai dû le faire à peu près en 2008-2009 quand j'ai découvert un peu comment ça marchait ces machins-là. Et ouais, Tomb Raider 2, pareil, je l'ai fait quand j'étais jeune parce que le jeu avait été prêté vers un de mes frères, mais ça s'arrête là. Et après j'ai pu, oh là là, n'importe quoi. Et après j'ai pu retoucher. Avec une porte. Non, 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 non. Oui, j'ai chaud là. C'est pas la bonne arme, je trouve, pour le corps à corps, c'est pas une bonne solution. Là, il y a un levier, c'est sûr. Ouais, ici. Et encore, je dis ça, Tomb Raider 1. Ah, une clé, tiens, c'est marrant ça. Et encore, Tomb Raider 1. Bah, finalement, je l'ai fait. C'était un des premiers jeux vidéo, mais après j'y ai plus joué de mes 7-8 ans parce que le jeu était fracassé, enfin le jeu ne marchait pas, le jeu était rayé. Donc de mes 7-8 ans jusqu'à pareil, jusqu'à mes. En fait j'ai tout redécouvert quand j'étais au collège. Cette salle m'intrigue, mais il n'y a rien. Ouais, en fait j'ai tout redécouvert quand j'étais au collège en fait. Donc quand j'ai eu mon PC en 4ème, 3ème. Ouais, c'est 19 ans. Ouais, non, c'est plus quand même 2007-2008 d'ailleurs. Le Tomb Raider que j'ai le plus poncé, finalement, c'est Tomb Raider 3. Voilà. C'est pour ça que je le connais aussi bien. Vous allez voir, Tomb Raider 3, j'ai pas d'hésitation. Je l'ai refait. La dernière fois que je l'avais fait, pour moi, c'était en 2000. Alors, c'était en 2014, je crois, pour la chaîne YouTube, pour Let's Play. Donc oui, ça date 2000, oui, c'est certainement 2013-2014 parce que je sais qu'en 2014 j'avais fait les DLC, enfin les espèces de. Non, 2015 plutôt. 2015, je crois que les DLC sur PC, j'ai dû les faire en 2015. Fin 2015 d'ailleurs même. J'ai le souvenir d'avoir filmé le DLC Tomb Raider 3 en fin 2015, donc ça remonte à 9 ans déjà. Parce que je sais qu'en 2016, j'avais fait TR 2013 pendant l'été, et je sais que je filmais Rise of the Tomb Raider voilà, en octobre-novembre. Bon, j'ai une bonne mémoire parce que c'est. Mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas ça qu'il faut faire, non? Qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Il faut pousser le bloc. Qu'est-ce que je fais, moi? Je peux tirer, ça sert à rien. Je suis bloqué, n'importe quoi.
y avait un petit espace. Hein. Non, ça tient, il y avait un petit espace. Et derrière, il n'y a rien. Ouais, non, on va celui-ci. On arrive à la fin du niveau, il me semble. Il y a un mec qui arrive là? Non, c'est après. Il y a un mec armé là. Oh bah tiens, ça a bien marché. Ouais, j'ai des bons souvenirs parce que je sais que c'est au moment où j'ai mon premier appart, donc je sais que c'était. Je sais que c'était à peu près voilà, dans ces eaux-là. Puis généralement j'ai une bonne mémoire de ce que je fais, donc à part pour Tomb Raider évidemment, mais globalement j'ai une bonne mémoire. Donc ça fait deux secrets déjà. Le troisième, il est pas dur, il est à la fin du niveau. Il est dans une dernière zone. Donc il y a. Bah oui, il y a le temps maintenant, hein, avant d'arriver à la fin, il y a largement le temps. Là, c'est fermé. Donc il faut faire ce machin avec le bateau. Je rappelle qu'on est là pour récupérer des fusibles. En fait, on a l'impression qu'on s'enfonce de plus en plus dans le niveau, mais non, non. Globalement, on reste à peu près toujours au même endroit. Donc ici, la porte, on ne peut pas l'ouvrir. Il faut faire baisser le niveau de l'eau. Et là, on a un levier. Donc vous avez compris. Une autre salle, on fait baisser le niveau de l'eau, on descend sur le bateau, et puis voilà. Voilà, mais ce qui se passe. Ah oui. La zone de Tomb Raider 1, elle est là aussi. Voilà, dans Tomb Raider 1, le secret de machin là, voilà. C'était le même délire. On sautait de pente en pente, et au bout d'un moment, la pente se referme. Voilà. Eux, c'est un petit clin d'œil finalement. Voilà. On entend des mecs marcher, c'est bizarre. Là, ils sont là, je sais plus. On est où là déjà? Oh, attendez, 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 attendez. Attendez, attendez, attendez. On s'énerve pas là. Là, j'ai fait descendre que dalle, là, on est d'accord. Pourquoi le niveau d'eau n'est pas baissé? On a ouvert la porte. En fait, on fait ça pour ouvrir la porte. Ah, je suis un peu feignant. Hein. Tac, tac, on active. Oui, c'est pour redescendre. D'accord, ok. Ah, mais je crois qu'on n'est pas au même niveau. Hein. Ah non, on n'est pas au même niveau, parce que j'ai pris la porte déjà. Je suis con. Ah non, on n'est pas du tout au même niveau. Autant s'en servir. En fait, il faut pas confondre cette zone-là avec la zone où nous étions tout à l'heure et effectivement qui ressemblait à cette zone-là. C'est assez traître, hein. C'est traître tout ça. Ils ont rien, mais c'est pas possible. Mais ils ont rien du tout sur eux, mais c'est terrifiant. Comment c'était ici avant? C'est moins bien fait quand même. Donc là, si je dis pas de bêtises, on a un genre d'épreuve timée. Parce qu'en fait,
il faut descendre. Mais si je descends trop vite, je me tue. Alors, on peut faire en sorte de descendre, je crois, en faisant, enfin, en descendant d'arrière et en appuyant sur la touche pour s'agripper, voilà, pour amortir un peu sa chute. Normalement, on peut peut-être le faire. Ah, quoi que, non, il y a une pente quand même. Ah, j'ai buté trois mecs. Autant pour moi. J'ai pas fait gaffe. J'ai vraiment pas fait gaffe du tout. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça descend. Ça de. Voilà. Ça coupe l'eau. Ici. On s'en occupe pas. Donc là, il faut remonter. Et pour remonter. On passe par là, mais c'est fermé. Pourquoi est-ce fermé déjà? Il n'y a pas un genre de bouton actionné. Ça, c'est le bouton pour le niveau de l'eau. Ok, ça on a compris. Ah, d'accord, ok. D'accord, il y avait un genre de plateforme magique. C'est dingue ça. J'arrive pas à intégrer ce niveau. Déjà, toutes les salles pour moi elles se ressemblent. Parce que c'est les mêmes couleurs partout. Et il n'y a que le niveau du pont encore qui se. Enfin, le premier niveau, le niveau du pont, ça va. Par contre, ce niveau-là et le niveau d'après, s'ils avaient fait une espèce de super niveau, ça aurait été exactement la même chose. Hein. Là, il reste 18 minutes pour finir le niveau. Je sais même pas si je vais réussir. Et je vous rappelle qu'on a qu'un seul circuit. Il en faut trois, je crois. Putain, on n'a qu'un seul coup de circuit. Ah oui, alors là, il y a une espèce de grosse carotte qu'on va se prendre. Et plutôt bien, parce qu'en fait, je crois qu'il y a un ennemi qui peut transpercer le mur ici. Ah, j'aurais dû laisser. Ah, j'aurais dû fermer le machin. Je crois qu'il aurait fallu. Je crois qu'on aurait dû le fermer, je sais plus. Parce que là, en fait, on a une trappe qui va nous permettre de redescendre pour le refermer. Oui, donc finalement, c'est pour gagner. Alors lui, il m'a mis une espèce de. De grosse claque. Mais bon, ça va. Non, 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 qu'est-ce que tu fais là? Terrible, hein. Ah oui, bah oui, bah oui, évidemment. Donc en fait, il vaut mieux que ça se passe comme ça, parce que si je referme le truc, ils peuvent rentrer en fait par la fenêtre. Voilà, eux ils s'en fichent des lois de la physique, tout ça. Attendez, il est où maintenant du coup? Il est en bas ou il est... Voilà. Voilà, ils peuvent traverser, voilà, ils s'en foutent. Ils peuvent traverser le sol, c'est pas leur. Enfin, c'est vraiment pas leur problème, ça. Alors, mon problème, c'est que par contre, ils sont venus ici, donc peut-être qu'avec les pistes automatiques, ça peut peut-être le faire. Oh là là, ça fait pas normal. Je fais n'importe quoi. J'appuie sur les deux touches en même temps. L'usine, ça peut être pas mal, non? Parce que là, c'est ça, rien que j'attends d'ici. Je peux peut-être les piéger comme j'ai piégé tout le monde ici.
qu'il n'y a pas un gars qui arrive derrière. C'est bon, les mecs qui ont des flingues, ils sont pas... Ils sont pas hyper motivés pour grimper sur des trucs. Non, c'est pas leur truc. Les acrobaties, c'est pas leur c'est pas leur domaine. Bon, on s'en est quand même plutôt bien sorti. Hein. Je sais pas que si j'utilise, enfin, si j'utilise une trousse de soins par niveau, ça va. Alors on a combien là? On est à zéro pour l'instant. Une trousse de soins par niveau, c'est pas mal. Ça fait que j'en gagne deux. Voilà, j'en gagne deux à chaque fois, donc. Donc c'est bon pour l'instant. Ça c'est le deuxième. Oui bon ça sert à rien de... Ça sert à rien de fermer la porte ici. Alors maintenant, il faut aller récupérer le troisième. Et là, on arrive ici. Avec le fusible qui est là. J'ai deux coupes-circuits, ok. Et ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, du tout, du tout, du tout. Il m'en faut un troisième. Il loue le troisième coup. Putain, mais merde, attendez. Il est où le troisième déjà? Voilà, j'ai failli me prendre les piques. Attendez, ça va pas du tout parce que moi bon, il y a une salle que j'ai en tête où il fallait pousser des blocs. Mais c'est peut-être pas ici. Ah voilà, j'ai dû passer devant. J'ai dû passer devant. Attendez, attendez, attendez. Plus c'est sur... Attendez. Je regarde mes notes. Non mais j'ai rien écrit sur mes notes. J'ai absolument rien écrit sur mes notes. Attendez, je vais avoir mon let's play. J'ai pas le choix là. Qu'est-ce que j'ai foutu dans mon let's play moi? Je peux en plus j'ai mon téléphone qui sonne à côté, c'est génial. Non mais je crois que l'autre, on le récupère après. Hein. J'ai dû oublier un truc, mais quoi? J'ai des cons. Ouais, très très con là. On va remonter. On va remonter. Non, 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 on va pas remonter. On va. C'est bon, c'est bon. Je viens de revoir le truc qui est dans mon vide là, c'est moi là. Je suis désolé, mais là je. Là, j'ai rien vu du tout. Donc il faut repartir ici. Bon, je vais pas chercher 150 ans, hein. J'ai un peu plus préparé ton moyen de que TR1, parce que voilà, il y a des choses dans TR2 qui m'échappent un peu. Par contre, j'espère qu'on peut on peut pas y revenir par ici, non? Ah putain, il faut se retaper tout le truc. Con dans la salle avec les pics. À un moment donné, je vous ai parlé d'une plateforme magique. Maintenant, il y avait un coupe-circuit, mais on le voit pas. Le coupe-circuit, tellement il est petit ce machin. Oh putain, oh, c'est terrible ça. Attendez, non, je vais repasser par là plutôt. Ah, j'ai.
Mais on voit rien. On voit que dalle. Ah, j'ai un peu les nerfs là. C'est les nerfs parce que. Putain, si j'arrive à pas finir ce niveau. Ouais, mais je vais pas le finir le niveau. Hein. Il me reste 10 minutes. Non, mais je finirai pas le niveau en 10 minutes. Tant pis, c'est pas grave. Mais bon, écoutez, au moins. On se voit pour la prochaine fois. Mais. Attendez, comment on y retourne déjà ici? Attendez, est-ce que c'est là? Parce que là, il faut que je me souvienne de comment on retourne dans cette partie. Donc, autant prendre cette caméra-là. Elle s'est fermée. Merde, comment on y retourne? Bah non, j'y viens du coup. Bah, ça sert à rien. Oh putain, je suis perdu. Est-ce que c'est là? Normalement, c'est peut-être là. Tac, tac, tac. Là, ici? Non, c'est pas là. Ce serait là, plutôt. Ce serait ce... Voilà, c'est ce passage-là. Après, là, maintenant, je l'ai fait. je l'ai fait comme ça, mais... Attendez, il faut que je refoule la zone du bateau. Tout simplement. La zone du bateau, elle est où, déjà? Elle est là? Elle est là. Oh là là, tout ce détour pour un. Putain, pour un truc de merde, c'est incroyable. Mais bon, c'est pas clair. C'est vraiment pas clair. Vous allez voir où il est le truc. Encore, faut me... Ah oui, je me retape. Le... Ah non, pas du tout, j'ai pas besoin de me retaper tout timer parce que j'ai. Il y a une. Il y a ça qui est ouvert. Ah mais non. C'est incroyable. Putain, ouais, là on le voit, là on le voit pas. On le voit dans Tomb Raider 2, mais là on le voit pas, c'est pas possible. Et en plus, comme un con, je me dis, tiens, c'est marrant ça, tiens. On n'aurait pas l'idée de mettre le pied ici. C'est vraiment très mal fait. Il faut que je me rebarde ici. Si je repasse par là, c'est bon. En plus, je perds de la vie. Ah, ça va pas tout ça. Déjà que je galère avec les combats, alors si en plus comme un con je galère avec les énigmes, pff, ça va être chaud. Hein. Voilà. Et là on est toujours au début du niveau finalement, hein, on va pas avancer. Je vais devoir... Non mais je ne réussirai pas à finir le niveau là, j'ai moins encore 5 minutes. Non, on ne réussira pas à finir le niveau ici. Tant pis. Par contre, voilà. On active ce levier. En fait, on serait vraiment tenté dès le début du niveau d'aller ici. C'est ça qui rend le niveau en plus complètement absurde. C'est qu'on serait tenté. Oh là 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 là, je me suis fait tirer dessus. Mais c'est pas possible. Comment tu peux ne pas te prendre les dégâts contre lui? Il lui met une tête, hein.
une tête. J'ai mis une tête seulement. C'est ça. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Comment je fais ici en mode. Bon, en vrai, en new game, ça va, mais putain, mais en new game plus. Sur new game, tu prends une. Vraiment, c'est marrant, en plus, on voit rien là. Là, on le voit, mais non. Il y a quand même des soucis de. Il y a des soucis de luminosité, quand même. Hein. Qu'on se le dise. Il y a des choses qui vont pas. Voilà. Bon, j'ai perdu quoi? J'ai perdu 1 minute 50 pour venir là-bas, c'est pas très grave. Je l'aurais pas fini niveau de toute façon. Mais quand même, c'est. C'est vraiment spécial. Il y a des trucs vraiment. Voilà. Il y a des trucs vraiment très très douches. Vous vous rendez compte, on fait tout ça pour pousser un bloc, hein, finalement. Le mec, il y a l'idée chez le Core Design. Ah, il va être fier de lui sur cette énigme. Sur le principe même de l'énigme. Donc là, on est dans une espèce de salle des machines, on va dire ça comme ça. Oh putain, il y a encore un gars. Il y a fait un gars encore, je m'en souvenais plus de lui. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle. Putain, mais c'est pas possible. Voilà, tout ça pour ça, tout ça pour tourner en fait ces espèces de saloperies et aller de l'autre côté. Voilà. Je suis sûr qu'avec un bon glitch en plus, on peut aller. On peut facilement péter la zone, mais bon, ouais, c'est pas. Ouais, c'est pas grave. Oui, il y a de l'eau, on va vous inquiétez pas. Ça se voit pas. Mais il y a de l'eau. Ça se voyait pas du tout d'ailleurs. C'est ça qui était très marrant, c'est que ça se. C'est qu'on voyait rien. Mais enfin, à combien on est là? 37 minutes. Il reste encore un secret. Bah écoutez, nous on va se quitter là sur cette vidéo. On a utilisé deux trous, c'est ça? Une trousse et demie. Bon, encore ça va. En espérant qu'on la récupère du coup à la fin. Et vous allez peut-être comprendre voilà, pourquoi faire des économies sur le chapitre vénitien et la plante pétrolière, c'était pas une si mauvaise chose. Parce que maintenant, je pense que je vais commencer à utiliser autant de trousses qu'on va m'en donner par niveau. Ça risque d'être chaud. La fin de l'aventure, ça risque d'être vraiment chaud. Bref, mettez des j'aime et des commentaires, partagez si vous avez aimé, et c'est le cas de la prochaine pour la suite de cette aventure. Allez, ciao tout le monde!